salut à tous. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis vos familles. Je vous bénis de là où vous êtes. Quelle que soit votre situation, Dieu nous a bénis, mais nous aussi, nous devons continuer à nous bénir. Ce soir, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour tous ceux et toutes celles qui ont eu l'audace de se lever en esprit et en vérité après ce Covid pour travailler pour la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour ma sœur Monique de la Martinique, pour la sœur Jennifer, la sœur Brigitte et plein d'autres. Je bénis Dieu pour la femme du pasteur Pierrot, pour ce couple. Je bénis Dieu pour mon époux, Roger. Ah, c'est un homme charmant et formidable que Dieu a mis à mes côtés. Je bénis Dieu pour tous les couples qui sont de près et de loin avec moi. Je bénis Dieu pour tous les pasteurs. Tous les pasteurs qui sont en train de voir comment ils vont se relever après ce temps de vide, tous les entrepreneurs, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis Dieu pour vous. Ce soir, la parole, dans la parole de Dieu, quelqu'un a besoin d'entendre un message. Puis nous sommes là en train de prier. Mais ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que la prière, ce n'est pas n'importe quoi. La prière, c'est un trésor inestimable. Alléluia. C'est un trésor inestimable. Et c'est par le pouvoir de nos paroles, par le pouvoir de nos prières, que nous pouvons avoir des résultats. L'homme, peut être comparé à une baguette magique chargée de magie et de puissance à travers les prophéties. Nous devons savoir prophétiser pour nos vies, prophétiser pour la vie de nos proches. Alléluia. Prophétiser quelle que soit la situation que nous vivons. Dire non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel, parce que l'Éternel a fait pour moi. Je suis un témoignage vivant. Nous sommes les témoins des dégâts que COVID-19 a occasionnés, bien-aimés. Nous devons savoir, et nous l'entendons tout le temps, qu'il y a un seul Dieu et Père. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, qui peut répondre favorablement à nos prières. Nous avons la prière adressée au divin roi, alléluia, au Dieu tout-puissant, au rocher des siècles, celui par lequel rien ne lui est impossible. Et qui dit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et comme je te dis, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, la prière adressée au divin roi doit être une prière faite
avec un cœur sincère. Alléluia. Nous ne devons pas adresser n'importe quelle prière à Dieu. Nous ne devons pas nous adresser devant Dieu dans n'importe quelle condition. Avant de rencontrer ce divin dans la prière, nous devons faire un trois étages spirituels. Voilà. Une bonne trois étages spirituels. C'est-à-dire être propre et présentable devant le divin. Nous sanctifier, nous purifier quotidiennement, sortir de notre incrédulité. Ensuite, lui présenter notre carte d'identité afin qu'il sache qui le prie et qui l'invoque. Puisqu'il a dit à Jérémie, invoque-moi. Et je te répondrai. Et ce soir, mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, quelle que soit ta situation, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des belles et des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Dieu vient au secours de tous ceux qui l'invoquent avec foi. Il suffit d'y croire, ma sœur. Il suffit d'y croire, mon frère. Croire que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Qu'il peut faire au-delà. Il peut te sauver. Il peut sauver ta génération. Et comme nous le voyons, comme nous le constatons, c'est l'incrédulité de l'homme qui retarde ses réponses envers Dieu. Si tu viens avec un cœur incrédule, tu vas retarder tes réponses devant Dieu. C'est ton absence de foi religieuse qui est contraire à la croyance, à la dévotion et à la foi. Tu veux bien, mais tu ne crois pas. C'est le défaut d'un homme d'esprit. Lorsque l'incrédulité devient une foi, parce que le plus souvent nous faisons de l'incrédulité une foi, nous nous moquons de ceux et de celles qui veulent nous exhorter ou qui veulent prier avec nous parce que on croit, certaines personnes croient qu'ils sont monsieur, je sais tout. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Eh bien, cette incrédulité qui devient une foi, elle est plus bête qu'une religion. Nous devons savoir que l'incrédulité a ses enthousiasmes, mais aussi il a ses superstitions. Pourquoi? Quelqu'un qui a besoin de prière, quelqu'un qui obtient une délivrance, cette personne obtenait sa délivrance, mais il ne croit pas qu'il obtenait sa délivrance. Parce qu'il est dans un état d'esprit mystique. Il croit toujours au mal, toujours qu'on lui a fait. Et quand on est trop superstitieux, eh bien, on perd sa foi. Parce qu'on devient aussi tellement religieux, d'accord? C'est un manque, d'accord? Qui est un manque de tolérance. Alléluia. L'incrédulité, c'est un ennemi que nous devions faire face. Nous devons faire face à lui. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que la prière, c'est la respiration de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est que c'est une alchimie, un mélange de souffle, un corps à tête, corps, que nous faisons avec notre divin roi. D'accord? Quand nous sommes en communion avec lui, c'est cela que nous ressentons. Parce que c'est la prière, c'est quoi? C'est un dialogue.
Alléluia. Et ce n'est pas un monologue. C'est une communion qui nous transporte vers le hauteur. C'est un souffle qui nous maintient en vie. Alléluia. La prière, bien-aimée, c'est la respiration de l'âme. La vie de l'homme que nous sommes est une belle histoire d'amour. Comme il est écrit dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme est devenu son héritier, sa photocopie. C'est le souffle de Dieu bien-aimé qui amène une vision prophétique. Alléluia! C'est le souffle de Dieu qui va arrêter ta souffrance. Alléluia! C'est le souffle de Dieu qui va essuyer tes larmes. C'est le souffle de Dieu qui te ressuscitera de nouveau de là où tu as connu la mort spirituelle. Et pour cela, bien-aimé, je vous dis que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies.